Qui aurait cru que le mangaka Hajime Isayama, auteur de la série à succès baptisée L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin en japonais, note de la rédaction, accorderait un jour une interview à la télévision française. Extrêmement discret, l'auteur se fait on ne peut plus rare dans les médias, y compris dans son pays d'origine. Pourtant, à l'occasion du prestigieux festival d'Angoulême ce jeudi 26 janvier 2023, il a accepté d'accorder un entretien à Léa Salamé sur les ondes de France Inter. Jugé trop basique par les nombreux fans du manga, cette interview a cependant été très vivement critiquée. Selon beaucoup d'entre eux, la journaliste n'était pas assez qualifiée pour mener l'entretien. Un manque profond de connaissances en la matière qui a agacé les internautes. D'ailleurs, nombre d'entre eux se sont lâchés sur les réseaux sociaux et n'ont pas été très tendres avec l'acolyte de Christophe de Chavannes. Vraiment une incompétente cette Léa Salamé, elle a jamais lu un manga de sa vie, on est tombé bien bas. Elle pose des questions aléatoires. J'ai la haine, je trouve dommage que les questions soient parfois vraiment bateaux ou répétitives, monsieur Hajime Isayama, au nom de la France, je m'excuse pour l'embarras que vous a causé Léa Salamé, peut-on notamment lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.